calme-toi sur l'intro, c'est pas un film d'action le bail. Wesh les petits potes. Oh putain sa mère, putain j'ai failli me casser la gueule. Je suis parti dans l'hémisphère nord frérot. Salut les gars, c'est Marc Appa, j'espère que vous allez bien. Personnellement je vais super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo FAQ. Mais oui les gars, mais oui, la FAQ 300 abonnés. Bah oui mais fallait s'y attendre frérot. Je l'ai pas, bro, ça fait... Ça fait 3 semaines j'ai 300 abonnés frérot, je la fais que maintenant la FAQ. Je suis vraiment un branleur moi. Hein. Donc du coup on va commencer sans plus attendre et c'est parti, vous m'avez posé des questions sur YouTube, sur Instagram et moi je vais y répondre tout simplement. Mais juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, hein, c'est important, et à activer la cloche des notifications. Ça c'est vraiment important, vraiment le plus important c'est de faire les 3 mon pote comme ça. Putain de merde, tu vas kiffer cette vidéo. On peut commencer. Let's go. Smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. Donc, première question, il y a Mathéa Lazarevitch qui nous demande à quand une vidéo avec un de tes potes le plus atypique. Alors écoute, bientôt frérot, bientôt, vraiment bientôt. Donc c'est pour ça que je vous dis activer la cloche de notification, c'est super bon. Ensuite, il y a Naze943 qui nous dit salut frérot, super vidéo, lol. Et aussi, je voudrais savoir si ça te dirait de faire un truc, en gros, on devient actif sur nos deux scènes pour te donner de la force. T'es sérieux là? T'es sérieux Naze là? T'es sérieux mec? Genre, tu crois vraiment moi? Moi j'allais... Non, moi je vais pas accepter ta requête. Moi, t'as vu, moi je suis un youtubeur solo, je marche solo. Moi je suis solo. Ok, ensuite il y a Nap Coco qui nous dit tu sais faire du skate. Et bah écoute, Nap Coco, oui je sais rouler avec un skate. Par contre, niveau figure, je vais juste faire un ollie, tu sais, mais c'est tout. Ensuite on a Desser qui nous dit salut, c'est quoi tes futurs projets et tu penses arrêter YouTube? Si oui, quand? Alors mes futurs projets, ça serait de m'acheter une putain de caméra, un putain de micro et faire aussi des micro-trottoirs, c'est des vidéos un peu... Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Est-ce que je pense arrêter YouTube? Pour l'instant je kiffe faire des vidéos donc je ne vais pas arrêter, il n'y a pas de raison que j'arrête. Ensuite on a Kofi qui nous dit t'as quel âge? Alors moi personnellement actuellement j'ai 15 ans, voilà. Ensuite il y a Camou qui nous dit pourquoi as-tu commencé les vidéos et comment? Alors pourquoi j'ai commencé? Bah en fait j'ai vu que mes amis et tout ils faisaient des vidéos YouTube. Je me dis oh putain c'est trop cool, voilà. Après j'ai vu Squeezie. En fait ça date que j'avais commencé YouTube, tu vois. C'était en 2016 mais genre je faisais des petites vidéos vite fait. Je voyais Squeezie et tout et Michou. Et quand je voyais leurs vidéos j'étais en mode putain de sa mère, faut que je devienne comme eux. Il faut. Du coup ouais c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Ensuite bah du coup Camou il nous dit tu peux m'ajouter sur Fortnite Omega. Ah merde, ça c'est une question. Bon, maintenant passons aux questions sur Instagram. Faudrait que je me calme un peu. Il y a Hillel qui nous dit qu'est-ce qui te motive tous les jours? Alors moi, qu'est-ce qui me motive tous les jours? C'est de savoir que bah je me rapproche de plus en plus bah, tous les jours de mon objectif. Et ça, bah, ça me met un boost de ouf et je me dis putain de sa mère, frérot, putain, tu vois. Ensuite, il y a PL David qui nous dit tu veux voir mon sorbet? Super question, mec. Bien sûr, mec. Vas-y, viens. En privé, là, tu vois. Je t'envoie mon adresse comme ça. Bisous. Ensuite, il y a Book et SRB27 qui nous dit comment t'appelleras ta communauté? Mec, ma communauté, je l'appellerai. Oh putain, mais c'est vrai, comment j'appellerais ma communauté, putain de merde? Comment j'appellerais ma communauté? Je sais pas moi, les puars, non? Putain, j'avoue, mec, les puars. Les puars, vous puez de ouf, les gars. Vous puez, putain, vous êtes des puars, vous puez, les gars. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi mon délire. En gros, j'avais un délire avec un pote, en gros, bah, je lui dis, tu pues de ouf, mec. Genre, tu pues, mec. Tu pues, genre, en fait, c'est un délire chelou que j'ai. Mais, on va pas se cacher, tout le monde est bizarre. Tout le monde fait des trucs bizarres chez soi. C'est juste que, pour paraître normal aux yeux de la société, on est là, ouais, t'inquiète, frérot, moi, je suis normal, t'as vu. Mais, on va pas se cacher, tout le monde fait des trucs bizarres chez soi. Genre, quand je me regarde dans le miroir, je fais des trucs... Bref, voilà. Vaut mieux pas en parler, tu vois. Mais en gros, et voilà. Et bref, moi, j'ai un délire, c'est de dire à mon pote, tu vois, genre, tu pues de ouf, mec.
tu pues, tu pues comme ça. Et du coup, en fait, c'est un délire, voilà, chelou, mais cool. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas partager ce délire avec vous? Peut-être que vous allez kiffer. Du coup, ouais, et je vous nommais la Puars Army. Donc, c'est peut-être pas original, mais en tout cas, c'est la Puars Army. Donc, les gars, vous puez comme ça. Vous puez de ouf. Ensuite, il y a Destroy Adelito qui nous dit, frérot, t'as une meuf. Moi, t'inquiète, frérot. Hey, les meufs, au calme, hein, moi, c'est hey, dans la poche, frérot. Bon, on peut passer à une autre question, s'il vous plaît. Ensuite, il y a Z.Lexa qui nous dit, donne-nous le secret pour être aussi stop. Pour être comme ça, mec, faut se doper, et se doper, mec. Non, je déconne, hein, faites pas ça, les gars. C'est vraiment de la merde. Non, mais les gars, pour être aussi, aussi stock, les gars, faut s'entraîner, faut bien bouffer et faut bien dormir. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a Christian.Alec donc, qui nous dit, comptes-tu toujours faire le même genre de vidéo, même à 100K ou plus? Alors oui, pour l'instant, j'adore mon contenu, j'adore ce que je fais. Donc non, je vais pas arrêter, il n'y a aucune raison pour que j'arrête mon contenu. Mais peut-être qu'à l'avenir, si... je me lasse de ce contenu ou quoi, ouais, je pourrais peut-être arrêter, mais pour l'instant, tout va bien. Ah si, du coup. Ensuite, MDKS10 qui me dit, j'ai pas de questions, mais vivement que tu réussisses dans tes projets. Franchement, frérot, ça fait super plaisir. Ce genre de messages me font super plaisir. Les gens qui envoient des messages comme ça, je vous aime, les gars. Vous êtes les meilleurs. Non, vous êtes tous les meilleurs, hein, mais ces gens-là sont cool. Non, je suis en train d'empirer les choses, mais voilà. Mais merci beaucoup MDK, ça fait vraiment plaisir. Et moi aussi, je te souhaite la même chose. Ensuite, il y a Usain Form qui nous dit, est-ce que tu fais caca? Bah non, moi... mec, c'est quoi cette question? Bah, est-ce que je fais caca? Bah mais, mec, franchement, non, moi... Et moi, je fais pas caca, moi, frérot, je suis un alien. Non, plus sérieusement, Usain Form nous dit, tu vises combien maintenant niveau abo? Alors, niveau abonné, l'idéal, là, ce que je vise, ça serait 1000. Vraiment 1000, c'est mon objectif de rêve, on va dire. Mais sinon, sinon je vise 400 abonnés. Ensuite, il nous dit, c'est quoi la prochaine vidéo? Alors, la prochaine vidéo, frérot, ça reste un secret. Si je vous donne le nom de la prochaine vidéo, bah, c'est nul après, tu sais. Vous saurez ce que c'est, du coup, bah, c'est nul, il n'y a plus de suspense. Ok, non. Ok. Ensuite, il y a une autre qui nous dit, à quand le coming out? Genre, ça veut dire quoi le coming out? Genre, coming out, genre coming out? Genre, sortir? Que coming out? Attends, je vais vérifier ce que ça veut dire sur internet, parce que je crois pas bien avoir compris. Coming out. Qu'est-ce que le coming out? Un coming out est l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle, d'une identité de genre ou d'une variation. Ah! Ah merde, mais casse-toi, wesh! Eh, moi, coming out! Moi, casse-toi, wesh! T'as cru que j'étais gay ou quoi? Casse-toi, wesh! Moi, coming à l'intérieur. Coming in. Sur ce, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas. Vous puez comme ça. Merde, je viens de péter mon bureau là.